Disons qu'un arbre fait des pommes sans se proposer de faire des pommes. Il enfonce ses racines dans la terre en même temps qu'il enfonce ses feuilles dans le ciel. Et de cette union du ciel et de la terre se produit les fruits. Et après, les fruits vont être pris par les vents ou les oiseaux, et celui qui les mange ne sait pas qui l'a fait. Qu'est-ce que la poésie? Ah mon vieux, c'est une drôle de question. Je ne l'ai jamais su. Je ne le saurai jamais. Je me demande si personne ne l'a jamais su. Thank you.
Yeah.
Sentiment très vif, une certaine honte d'être un homme qui fait que l'art, ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. L'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, il ne cesse pas de tuer la vie. La honte d'être un homme, l'artiste, c'est celui qui libère une vie puissante, une vie plus que personne. C'est pas sa vie, libérer la vie. La situation politique pour moi est périmée. On a vu tout ce qui s'est passé. On prend un pouvoir et on met un autre pouvoir. Mais c'est toujours la même chose. Moi, je suis pour la révolution poétique, n'est-ce pas? Poétique, il y a la éthique, il y a la peau. Alors je vais avoir une peau morale. Mais quelle morale? Puis dans ce monde-là, on ne sait plus quelles sont les bases d'une morale. Alors dans la révolution poétique, c'est la morale de la beauté. Le mal, c'est l'oubli de la beauté. Et c'est la recherche dramatique de qu'est-ce que c'est que le beau. Hein? Parce que la vérité, on ne peut pas la toucher. C'est impossible, on ne peut pas la dire. Alors je vais chercher la beauté, ce que c'est la lumière du beau. La joie est infinie aussi. C'est le miel de la vie, la joie. Alors, on nous apprend à ne pas penser qu'on est en pleine joie, en plein bonheur. La société nous fait vivre dans la terreur. Pire simplement, la peur. Est-ce que je peux continuer? Parce que tant qu'on a la peur de vivre, on est des animaux. Les animaux, tout le temps se défendent pour ne pas être mangés, sont dans la peur. Alors, l'être humain n'est pas humain tant qu'il a la peur d'exister. La peur de perdre. La peur de perdre tout ce qu'il a, l'argent, que tout s'écroule, le travail, l'amour. C'est la peur de perdre, tu vois? Et quand on arrive à être un humain éveillé, on désire perdre l'inutile. Bon, alors, si on perd la peur, on perd l'espoir. Quand on perd l'espoir, on perd la peur. On commence à vivre. La joie de vivre est là.
je n'épuise pas l'énergie. Ça veut dire que l'énergie ne s'épuise pas, elle vient à toi. Ça veut dire les chasser, c'est la proie. Vous avez défini la poésie là, mais j'ai une autre définition de la poésie dans le même manifeste. J'ai dit, la poésie, c'est l'excrément luminé d'un crapaud qui a mangé une luciole. Hein? Bon, c'est là vient l'énergie de manger des lucioles, dans le néant total de mon être, dans le vide de mon être, quand je me couche la nuit, c'est l'obscurité absolue, pas de lucioles, pas de vie. Par des vives d'émotions, des idées. Alors je mange ces éclatements de vie qui m'arrivent dans le vide. On fait son œuvre et on la lance au monde. Et après, on ne sait pas qui la mange, les biens qu'il fait. On ne sait pas si on sait que c'est à nous ou qui on est nous. Aucune importance. Quand je mange une pomme, je ne pense pas quelle racine elle avait, quelle feuille elle avait. Alors, je n'ai pas décidé d'être créateur. Je fais ce qu'il fallait faire parce que si je ne faisais pas, je mourrais.